On est fait après. Est-ce qu'on a bien notre vélo? C'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Et c'est reparti pour un tour, comme on dit. Hop là. Quête suivante. Éliminer les zombies de la forêt infestée. Pour rappel, quand c'est une infestation, il y a beaucoup plus de zombies. Par contre, je pense que dans le loot, à la fin de la mission, il y a beaucoup plus de balles. Pour compenser. Donc si on n'utilise pas de balles, alors je vais essayer d'utiliser de la matraque uniquement. Voilà, on est arrivé. Voilà. C'est parti. C'est bon ou c'est celle qu'on vient de faire? Oui, c'est celle qu'on vient de faire. Bon. On va la faire en vitesse alors. Et en plus, ah oui, c'était où il y avait la smack. Bon, plus qu'un sorbier, on se trouve complet. Bon, voilà, on gère beaucoup mieux l'endurance maintenant. Par contre, on se prend toujours autant de claques. Donc là, ils sont tous morts, oui. Allez, du coup, on va essayer d'aller un petit peu plus vite cette fois-ci. Il y a toujours un serpent, il y en a toujours deux. Allez, il faut viser la tête. Oh, raté. Ah, un zombie, il n'y a rien à faire. Hein. Si on ne touche pas la tête, ça ne va pas. Ah oui, ici, on s'appelle. Pêche de les fesses. Ah, apparemment, ça marche aussi. Salopard, va. Semblait bien, hein, petit fumier. Ouais. Ils lui mettent des claques. C'est pas du bûcheron pour rien. Hein. Ils sont vraiment cons. Contre les bûcherons, mais dans ce cas-ci c'est vraiment le stéréotype du gros tas de muscles. Ramasser les éléments. Ouh, infestation, on peut se taper deux fois la même quête. Ici, les molotov durent 10% plus longtemps. Bah, ça peut être très pratique. Donc on repasse à la maison. Toujours de retour. Alors, que proposes-tu? Bah, je crois qu'on va toujours aller sur le paquet de magazines. Voilà. On va lui demander qu'est-ce qu'il a à vendre. Donc ici, il doit raccourcir. Hein. Là, on fait un paquet. J'aurais peut-être dû le réparer. Surtout que c'est un fusil à tuyau. Ouais, je le réparerai. Pas pour la prochaine fois. Ouais, celle que j'ai craftée avec du tissu. 96 quand même, donc. Il y a quand même moyen de se faire un peu de fric. Et ici, ouais, 40 quand même. Vu que je ne ferai. Ah, c'est pièce de machette. Je croyais que c'était pièce de Laurence. Ah non, je vais la garder alors. Voilà, on va ouvrir les magazines. Donc ici, j'ai quoi? Outils de réparation. Arrache-coupe qualité 2, ma foi. Marteau robotique de qualité 5. Et la lance,
Je m'en fous. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ça va. Donc ici, voilà. Ben, je veux bientôt le vendre aussi. Et je pourrais acheter ceci pour savoir mieux cuisiner. Ah, cheesecake à la citrouille. Ouais, cheesecake à la citrouille, c'est surtout pour vente de meilleure qualité. Par contre, as-tu du travail à me proposer? Ça va être chaud boulette. Mais on va l'accepter. Et alors, petit détail, c'est vrai que j'oublie, alors que c'est le principal, de mettre mes points. J'ai 5 points à mettre, c'est assez énorme. Pour fabriquer des outils à crocheter, oui, ça va être surtout important, je pense, où on pourra choisir deux quêtes. Ici, ce qui m'intéresse, et là, il faut niveau 7. Donc, il n'y a pas de secret. Encore un point. Augmenter ici les dégâts. Voilà, donc j'ai dépensé tous mes points en intelligence, vous avez pu le voir. Ok, on va refaire le même coup que la bicyclette. Ouh. Bon, on va peut-être la récupérer. Ouais, j'ai de la chance de pas l'avoir perdu dans le sol. Il arrive assez fréquemment des fois. Donc chez le veto, et on a déjà vu que les chiens, les zombies, n'étaient pas de tout repos. Oh, j'ai pas pris mes armes, mes munitions. Bon, bah on va essayer de pas mourir alors. On lance la quête. Ouais, déjà, ça commence bien. Donc c'est la madame, ça va. Voilà, bon, comme d'hab, on loot après. Franchement, j'ai un petit peu une appréhension. Où est-ce qu'on passe ici? Oh, regardez même là. Voilà, il est mort le serpent. Bon, la docteur a essayé de se cacher, mais c'est raté. Et la question, c'est est-ce qu'on descend ou... Non, on passe par le toit. Ici c'est verrouillé. Je le prends parce que je sens qu'il va se casser. Au passage. Avec des zombies ça va. Ah oui. C'est l'endroit où il y avait le serpent. Mais non, en fait c'est de là que je viens. Il biaise. C'est par là.
Ça sent le cochon, ça. C'est grand en fait. Ah oui, ça continue tout là-dedans. Bon. Évidemment. Bon, ma foi, tant que c'est des zombies, ça va. Ça par contre, c'est bizarre. Tellement peur des animaux, sanglier, chien, genre comme ça. Waouh, là je flippe complètement. C'est l'angoisse. Du coup, je suis super crispé. Quand c'est les aides, ça va. Quand c'est les zombies, une paire de manches. Donc ça va, on a compris que c'était par là. Vous sentez le sol qui s'écroule? Bon, pour ce coup-là, heureusement que j'étais réactif. Oh, il n'y a rien. Bon, ça c'est un peu dans le chemin. Hein. Là, il y a sûrement moyen de faire quelque chose. Oh, ça ne me dit rien, ça. Issue, ok. Ah si, il y a une corde là. C'est à la base pour les faire venir, mais... qui ne pète les livres hein, s'il s'énerve. Le couteau, d'accord. Ah, on dirait qu'il y a un petit trou là dans le mur, non? Non. Oh, il y en avait un deuxième. Non. Oh, quel con. C'est pas la première fois que je fais ça. Rester à l'intérieur, trouver les provisions de la rivière Blanche. Ouais, bah apparemment... Ouh, ça pue. Ah oui,
faut aller par là, d'accord. Et ici, ça sert à quelque chose? Non. Bon, là, ok. Ouais, ça va, c'est des zombies. Bon. Je l'ai vu, celui qui... je croyais qu'il me confirmait, mais non, il... je sais pas. Un résidu de sa vie, avoir des zombies, peut-être. Mais quand même, gaffe, on prend pas trop confiance. Qu'est-ce que j'avais dit? Au moins, j'ai mon sac pour réussir la quête. Voilà, donc ça c'est le loot final avec normalement plus de munitions et des médocs pour gagner plus de munitions. Hop, à cette gaz. Une moto dans une caisse. Bon, ça j'y crois pas trop, mais bon. Fabrication d'outils de récolte. Et là, fabrication d'outils de réparation. Oh, un pneu. C'est pas ce qu'il y a de plus courant et c'est pas plus ce qu'il y a de plus facile à fabriquer. Oui, fabrication de battes, je prends. Donc voilà, là on a fini, on n'a plus qu'à looter gentiment tout ce qui traîne. Je suis déjà un peu surchargé, mais bon. Bon, le sable aussi, on ne le jette pas. Quand on doit fabriquer du béton, pour ceux qui ne savent pas, le béton on se fabrique avec du sable et du ciment. J'avais des Mechanical Park normalement. Regardez ce qui est bien, je loote le frigo et hop, il est ouvert. Comme ça, on peut voir que je n'ai plus besoin de looter. Ce n'était pas le cas dans les alphas précédentes. Merde, j'ai coupé la corde. Alors parfois, certaines portes sont... restent fermées. Et il faut les casser pour aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, ici. Bon, je vais devoir sortir... par autre part. Ouais, bah on va se créer une sortie. Alors hop hop, tout ce qui est unique. On va essayer de le construire pour le déconstruire. Bon. Ah, véhicule. Il faudra encore quelques-unes. Ah ben voilà. Allez, on essaye. Ah ben du premier coup. Bon, ça. D'accord, deux, oui, d'accord. Donc on avait vu que ceci c'était intéressant à démonter pour les Mechanical Parts. Ou du moins les grands, les petits je ne sais pas. Non, je crois que j'arrive tout doucement au bout. Donc pour rappel, ça c'est du nitrate surtout. Sous la pluie. What? Alors la même question, que m'a-t-il nous donné? Ça tourne un peu en rond. Hein. Boîte de cuir, je m'en fous. Couteau de chasse, ma foi,
je m'en fous un petit peu. Ouh, deux cette fois-ci. Paquet de composants de mini-moto. Ou 5000 doubles, mais paquet de composants de mini-moto, clairement. Je vais prendre du travail en même temps. Pour changer, je pourrais prendre des provisions intérêts. Ouais, provisions intérêts. Et si ça se trouve, c'est de la bouffe. Donc ici, cette pièce robotique, je lui vends pas. Ici. Voilà. Arme au point. Un matraque électrique de qualité 2, ben oui. Je sais pas les fabriquer, donc j'ai pas d'établi. Pistolet à tuyau niveau 3. Ok. Mais il me faut quoi pour réparer? Il me faut du fer. Bon, je réparerai à la maison. Je peux lui vendre. Bon, d'abord. Ah oui, j'ai déjà pris. Ça, je peux lui vendre. Puis là, c'est 100. Donc ça, c'est bien. Puis là aussi. Bon. Regardez, 59 en réparant simplement avec un petit tuyau, j'ai doublé la valeur. Donc matraque comme ça, ça vaut la peine de garder pour vendre. Effectivement, ça prend une place dans l'inventaire, mais... Et j'ai tout ceci aussi. Ouais, on a récupéré pas mal. Ah, c'est marrant, tiens ça. Donc ouais, j'ai le châssis. Oui, trois pneus. Ah. Un point de compétence à dépenser. Là, on avait vu. De nouveau, là. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je fais tellement de quêtes que j'ai envie de prendre ici. Meilleure sélection chez les marchands. Ça veut dire qu'ils vendent autre chose. Ça vaudrait la peine de vérifier. 120. Ouais, vu la quantité, je la prends. No refunds. Donc, je vais déposer le brol et on repart pour notre provision enterrée. Bon, quitte à prendre les provisions enterrées, vu que c'est de la même direction, je me suis dit que je viendrais prendre ici la petite caisse. Et ça vaut sûrement le coup. Et là, je vais l'ouvrir en direct. Ici, c'est quoi? Fabrication de fusil d'assaut. Pourquoi pas? Et là, pour l'arc. Voilà, c'est ici. On se met sur le côté. On nettoie le lieu à tester. Dodo. Ok. Personne pour m'embêter. C'est parti. Ah oui. Avec l'appel en fer, je me fatigue plus vite. Par contre, normalement, je dois, suis censé aller beaucoup plus vite. Bon, je me fatigue beaucoup plus vite surtout. Donc la technique de la rigole, comme toujours. Pourquoi je fais le tour pour voir pas où ils arrivent, lequel arrive en premier. Pas trop s'éloigner du cercle. Ah. On ne se stresse pas, on laisse l'ordure monter. Donc là, il n'y en a pas trop. Eh hey, monsieur, j'ai pas toute la journée, moi. Oh. Promis, c'était pas fait exprès. Et là, on est mort. Donc généralement, les trésors sont assez profonds. Oui, je l'entendais. Voilà. Ah oui, lui, il n'était pas rechargé. J'ai été trop vite. Il n'est pas rechargé. Tellement long à recharger ce truc. Ouais, c'est bon. Voilà. On prend, on remonte vite. Voilà. Par contre, ici c'est fini.
Donc on peut clairement... aller plus loin. Et quoi? Sortie les filles. Allez. Et donc quoi, il y a qui prend tout son temps. Bon, j'ai rien contre les employés de bureau, on est bien d'accord. Donc ici, on va rendre la quête, et on... Ouais non, toi, laisse tomber. Et toujours les yeux rivés sur les nids. L'avantage des provisions enterrées, c'est que maintenant ça va beaucoup plus vite. Puis j'ai mis des points, évidemment. Ah, ça c'est pas mal. Je crois que je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce que je peux prendre Ah, auto. Moi, ouais, j'aurais peut-être des pièces. Well, how about you browse your ass right out of my store? J'ouvre toujours, on ne sait jamais. Moi, ouais, des pièces. Allez, t'as mec. Ah, bien, en fait, il y a des éléments chez le trader qui réapparaissent. Je viens de looter un bouquin. Juste dans les établis, apparemment. Donc ici, c'est mon deuxième. Je viens d'en looter directement là-dedans. Et en fait, j'ai enfin l'établi. Donc ça, ça va bien m'aider. Pas très visible la porte. On va pouvoir aller construire l'établi. J'espère que j'ai tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode.